Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Je suis ici aujourd'hui à environ 4 mois de ma prise de fonction en tant que ministre de la Culture et de la Communication, pour signifier mon départ à la tête de l'institution, mais aussi pour dire merci à chacun de vous, employés et cadres, qui ont donné leur temps, leur énergie et leur savoir-faire au cours de ce bref passage. Mais avant toute chose, il faut que je remercie le Premier ministre, Dr. Ariel Henry, pour la confiance qu'il a placée en moi, pour venir servir la République à ses côtés, au sein de son gouvernement, à un moment difficile de l'histoire politique d'Haïti. Monsieur le Premier ministre, nous sommes unanimes à reconnaître l'ampleur de votre mission et l'intensité de votre engagement pour le bien-être de ce pays et le vivre ensemble, dont la culture est un vecteur incontournable, tel que je l'ai signalé dans mon discours d'investiture en juillet dernier. La société prend note de vos efforts en dépit de toutes les divergences de vues. L'instauration de la démocratie est un dur combat et une construction infinie. Chacun y ajoute sa pierre. Je tiens également à saluer l'énergie, le dynamisme et le professionnalisme d'une personne extraordinaire, sans qui je ne pourrais répondre à autant de responsabilités liées au développement de la culture en Haïti. Je vais parler de ma directrice de cabinet, la ministre Joanne Raton, qui ne dort pas ou presque, et avec qui j'ai abordé tellement de sujets, avancé sur tellement de dossiers et coché autant de projets qui pourront servir le secteur. Mais le sens de la patrie veut que nous fassions cohabiter toutes les sciences. Faire de la place à la science de l'autre est d'ailleurs l'une des règles du vivre ensemble. Entre la régulation à travers la loi cadre du ministère et les projets de développement culturel en faveur des professionnels du secteur et dans les domaines du patrimoine bâti, notamment au niveau du parc national historique Citadelle Sans Souci Ramier, les efforts devront ainsi continuer pour combler le vide et éviter au pays d'autres catastrophes sur le plan culturel, comme la disparition du fort des Platons au Caï, ou l'effondrement du fort des Oliviers à Saint-Louis-du-Sud lors du tremblement de terre du 14 août dernier, et plus près de nous, les doutes quant au déclassement de la citadelle La Ferrière du patrimoine mondial. Des efforts ont en effet déjà été déployés et un suivi suffise pour régulariser la situation. Mais l'heure n'est pas à l'énumération, car je ne peux pas me sentir satisfait de démarches ou d'exercices techniques malgré menés en si peu de temps en faveur d'un secteur qui est mien. Je suis plus confortable dans les résultats qui, en si peu de temps, ne sauraient être proportionnels aux efforts. Alors, encore une fois, merci au Premier ministre Dr. Ariel Henry, avec qui la collaboration a toujours été agréable, franc jeu, un calme que je prendrai encore le temps d'analyser, mais surtout une sérénité nécessaire en ces temps de crise. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je suis heureux d'être aujourd'hui, ne serait-ce que temporairement, à la tête de ce ministère si important dans l'articulation de la politique gouvernementale et dans l'interaction obligée entre les dirigeants et les citoyens de quelques positions qu'ils se trouvent à la limite des 28 000 km² qui forment notre territoire. Nous sommes un pays à longue tradition culturelle. Pourtant, on a l'impression que ce sont d'autres pays qui nous révèlent la richesse de notre culture, son cachet particulier et sa portée emblématique, alors que notre patrimoine culturel a servi de passeport à plein d'autres nations, que ce soit dans le domaine de la musique, de la peinture, de la littérature, de l'artisanat et de l'art en général. Il est temps que nous nous démarquions de cette contradiction.
Nous sommes un pays de grande culture. Et c'est à cela, entre autres, que nous devons notre passé de peuple, en regard du profond héritage que nous ont légué nos pères. C'est cette culture qui peut servir de vecteur en vue de projeter cette nouvelle image prônée par plus d'un. Ce ministère sera considéré comme un haut lieu de production culturelle, en même temps garant du patrimoine haïtien. Il se voudra être également à l'avant-garde de la promotion des valeurs culturelles haïtiennes, que ce soit en termes artistiques, artisanaux, en termes d'exposition d'art, de production et de créativité. Je donne la garantie qu'aucun aspect dans ce domaine ne sera négligé. Une vraie politique nationale de communication doit se consigner dans le cadre de référence et d'orientation de la politique de développement économique et social de notre pays par rapport à la notion de bonne gouvernance. Aujourd'hui, la vie et l'essor économique des peuples ne sont plus entravés par la difficulté de partager des informations. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont à la portée de tous. En plus de la presse qui doit essentiellement servir de relais entre les différentes catégories de la population et le pouvoir. Ainsi, les peuples, les citoyens, à travers la presse, peuvent à toute heure, à chaque seconde, et si loin qu'ils soient, communiquer leurs craintes, leurs espérances, leurs déceptions et leurs attentes. Fort de cela, mon ministère souhaite être complice des journalistes, de la presse en général, en ce sens que nous devons nous complaire à échanger constamment des idées, comme dans un laboratoire, de façon à éviter des mésinterprétations et des malentendus. Les portes du ministère seront toujours ouvertes à la presse. Et je souhaite que nos relations en tant que ministère de la communication et de la culture s'intensifient jour après jour. Ce dialogue permanent et structuré qui est mon leitmotiv doit se manifester dans ce ministère et chez les opérateurs culturels. Nous proposons aussi d'engager un dialogue permanent avec les associations de patrons de médias et des journalistes sur un ensemble de questions d'importance liées au secteur. Nous allons travailler avec les médias haïtiens de la diaspora pour permettre à nos compatriotes vivant à l'étranger de rester en contact avec la terre natale, de mieux s'informer des activités du gouvernement et en même temps de produire leurs doléances. Mon gouvernement s'engage à respecter la liberté de la presse, tout en espérant que la presse jouera pleinement son rôle dans le processus de consolidation de la démocratie, d'éducation et du progrès économique. Au ministère de la Culture et de la Communication, nous allons tout mettre en œuvre pour que les journalistes aient accès aux informations. Des mécanismes seront mis en place pour favoriser une interaction intense entre les médias et tout l'appareil gouvernemental. Notre ministère servira d'interface active et permanente entre la presse et les différents ministères ainsi que les organismes déconcentrés. Nous tâcherons de développer une politique de communication dynamique et cohérente basée sur les moyens traditionnels et les réseaux sociaux de façon à informer la population des réalisations de notre administration. Des élections générales devront et des consultations populaires pour l'adoption d'une nouvelle constitution devront bientôt se tenir.
le ministère de la Communication et de la Culture entend s'associer avec les instances du nouveau Conseil électoral provisoire et des organisations de la société civile pour permettre la participation d'un plus grand nombre d'électeurs au prochain scrutin à travers une campagne nationale de sensibilisation intense et bien articulée. Du ministre des Affaires sociales et du Travail. Donc, encore une fois, c'est un privilège pour nous de vous recevoir ce matin, ainsi que votre équipe de travail. Donc, soyez le bienvenu. Ici, c'est chez vous. Okay? Donc, encore une fois, au nom de l'ONA, tout ce que nous voulons souhaiter au ministre, c'est bonne réussite, succès, et également, au nom de l'équipe de l'ONA, tout ce que nous souhaitons, c'est une franche et bonne collaboration pour l'avancement du pays. Nous savons que la conjoncture socio-économique est très difficile, mais quand même, nous sommes prêts à relever le défi, surtout en ce qui a trait aux défis sociaux qui sont de taille au niveau du pays, mais quand même, avec le support et également une très bonne collaboration, nous pensons que nous serons de taille de manière à pouvoir le faire. Monsieur le ministre, encore une fois, félicitations pour cette promotion, parce que vous êtes du ministère déjà. Et encore une fois, je sais que vous êtes un très bon technicien, donc qui sera au service du pays. Et nous espérons et nous savons déjà que les résultats seront satisfaisants. Nous sommes dans une nouvelle dynamique dans le domaine de la protection et la promotion sociale. Sur cette lignée, nous voulons à ce qu'il y ait une synergie entre toutes les institutions de protection et de promotion sociale. En général, quand les gens de l'extérieur voient le ministère des Affaires sociales et du Travail, ils voient seulement le volet, ou du moins le pilier non contributif, c'est-à-dire l'assistance sociale. La protection sociale est constituée de trois piliers. Il y a premièrement l'assistance sociale, qui est le pilier non contributif. Il y a la sécurité sociale, qui est le pilier contributif. Et il y a aussi la régulation du marché du travail. Donc c'est cet ensemble qui constitue la protection sociale. Dans le cadre de la sécurité sociale en Haïti, l'État a deux institutions fondamentales. Il y a l'ONA et l'OFAPA. Donc ces deux institutions méritent d'être encadrées, d'être renforcées afin qu'elles répondent effectivement à leur mission. C'est dans ce cadre que je suis là, ici, pour commencer, si vous voulez, la lettre de cadrage, ou du moins la feuille de route qui m'a été assignée par le Premier ministre dans le cadre de la mise en œuvre de la politique sociale du gouvernement. Donc, je suis là pour dire aux gens de l'ONA, au directeur général, je suis à leur entière disposition pour continuer ce travail que ce jeune a initié dans l'ONA dans le cadre de la mission qui lui a été assignée. On a là, j'ai dit, mais le vrai point de deuxième qui va pour la ville au camp, il manque. Vous avez formé, parce que Yogin, c'est un rôle de mystique. Et on connaît même pas jouer avec la guerre. Tout ce que c'est pour vous dire que c'est un type qui ne se prenait pas trop au sérieux dans certaines circonstances et dans certaines situations. Mais il avait aussi cette faculté de faire rire n'importe qui dans n'importe quelle circonstance. Vous êtes un petit peu dans ce groupe de mauvais heures pour un bon départ et avant de partir, nous avons un peu de temps. Comment les problèmes qu'il y a avec ça? Je suis quand même pas à ce niveau, mais il m'avait toujours promis
une vengeance, en tout cas une vengeance pour moi, c'est-à-dire que n'importe qui me ferait du tort ou bien qui me ferait du mal, qui pas se proposait comme mon brave vengeur, je disais que pas de monde sous la croix m'a pas manger, je n'ai pas vrai. Mais pas de monde sous la croix m'a pas manger. Puis là, elle a dit, avec probablement des rêves pour ne pas dire sur le monde, d'ailleurs qui n'en a pas. Et quand un matin j'ai vu sa photo sur le groupe où il a écrit lui-même que je suis un ICU, je suis positif à la COVID. J'ai dit, mais tu ne peux pas te prendre vaccin. Et puis il m'a répondu en privé, parce qu'il ne me connaît plus sur le groupe, pour dire, oh, pourquoi je suis prêt vaccin ou pas prêt vaccin? Il y a des gens qui prennent, qui sont malades, et même jour, ça c'est prendre, tu as le prendre, etc. Maintenant, bon, je ne maîtrise pas trop les choses immunologiques. Je ne sais pas si on va vous le donner pendant que vous êtes déjà malade, mais je suis presque certain, vous ne pas dire je suis certain, qu'on va tout faire pour vous sortir de là. Et il m'a dit, il me les a écrits, il me dit, c'est pas lui pour le faire tout le bagage pour sortir de là, non. Ma tête m'a dit, parce que je vous fais toujours pour vous faire. Je dis, bon, premier ministre. Je dis, mais c'est pas cette obsession d'être premier ministre. Je dis, pourquoi on ne va pas même une condition féminine pour me faire des jours là-dedans. Après des bagages pour nous amour, ils sont pas des ministres, je vais vous mettre là. Mais je dis, les gens de blague quand c'est de l'air. Donc, je sais qu'il n'y a pas beaucoup, bien qu'il n'y a pas de membres de la famille immédiate de cette assistance, mais les paroles voyagent. Je prendrai encore quelques secondes pour présenter les sincères condoléances du ministère de la Santé publique et de la Population, de la Direction Générale et de tous les collaborateurs qui ont connu et travaillé avec TIPA. Le courant est passé tout de suite. Donc, on a eu à collaborer au cours de cette première partie de sa vie professionnelle qui a fait de lui un obstétricien gynécologue compétent, connu sur, dans le public, mais qui à un certain moment a fait un choix de se diriger vers la santé publique puisqu'il a pu compléter ses études avec un master en santé publique en France. Et revenu, il s'est beaucoup plus penché sur sa carrière de médecin spécialiste en santé publique que sur sa carrière d'obstétricien gynécologue. Du moins, il a pu joindre les deux, puisqu'il a pu développer des talents en tant que gestionnaire de programmes de santé de la reproduction. Nos contacts se sont poursuivis à travers la Société haïtienne d'obstétrique et de gynécologie, où pendant mon passage comme président, il a été mon secrétaire général. Là aussi, c'est la fougue, le dynamisme, l'intérêt public que nous connaissons à TIPAP qui nous a aidé de vendre l'image de la société et faire venir des jeunes au niveau de la société qui, à ce moment, regroupait beaucoup plus de spécialistes chevronnés et âgés. Donc, je peux dire que c'est le deuxième chapitre de notre collaboration. Ce que j'ai su tardivement, après qu'il m'ait envoyé une vidéo où il prononça une oraison funèbre au nom de sa famille pour dire adieu à son frère Mauclair Mainville. Il était très affecté par cette disparition avec la voix sanglotante, un texte émouvant, quand son frère aîné lui avait prodigué de bons conseils pour devenir cet excellent médecin soucieux de servir son pays. Qui aurait cru, c'était notre dernière rencontre. Docteur Mainville était un médecin courtois, jovial et respectueux.
Après sa spécialisation en obstétrique gynécologie, il partit pour la France se spécialiser en santé publique dans le domaine materno-infantile et plus tard, il participa à des formations au Japon, au Mexique, en planification familiale et en santé de la reproduction et en gestion de projet. Cette formation l'a permis d'être consultant dans différentes organisations internationales avant de regagner le MSPP pour offrir son expertise. Promu à la direction exécutive de l'HEH, comme Dr. Jean-Pierre l'a dit, c'était le 17 octobre 2012, il était extrêmement content de retrouver son alma mater. Malgré les difficultés bien connues liées à la gestion de cette institution. Comme chef de service de pédiatrie à cette époque, j'ai eu le privilège de collaborer avec lui. Il était toujours à l'écoute des différents problèmes de l'institution et essayait de trouver des solutions pour l'amélioration des soins fournis aux patients. Nous sommes réunis pour rendre un dernier hommage à notre regretté Dr. Maurice Mainville, Dr. Maurice Fils Mainville, dit TIPAP. Outre son sens de l'humour, reconnu par tous avec son ouverture aux autres, un profond charisme qui lui a permis d'animer de nombreuses rencontres, émissions et séances de travail, il a su s'attirer la sympathie de tous avec un professionnalisme hors pair. Il se démarquait par sa passion pour le fonctionnement des hôpitaux. Depuis les réunions, il a parlé déjà de l'hôpital à fonctionner, si pas toujours une intervention pour le faire. Pour parler de l'expérience dans l'hôpital Université d'État d'Haïti. Pour avoir passé quelques années à la tête d'un des plus grands hôpitaux du pays. Son engagement de longue date envers le ministère et le secteur de la santé en général a été apprécié. Il dégageait une influence partout où il servait. Lors des anniversaires, il commençait toujours ses souhaits par tout pi bon bagayo, c'est pour nous, jodia et pour tout temps. La mort d'un collègue, d'un collaborateur, laisse un vide personnel et professionnel, et la disparition du docteur Mainville nous rappelle encore une fois que nous sommes finalement très peu de choses et que nous devons profiter de chaque seconde, de chaque minute de notre vie. Tous ceux qui l'ont connu et apprécié garderont de lui le meilleur et le plus cordial souvenir. Au nom de la direction des ressources humaines, je présente en cet instant de recueillement nos plus sincères condoléances à sa famille et celle du MSPP, à sa grande famille du MSPP. Que l'âme du docteur Mainville repose dans la paix éternelle. Il m'a été demandé de camper l'étudiant, le résident, le jeune médecin, qui est-il? Laissons-lui donc la parole. Je suis né un 20 novembre à l'Arcaillet, comme notre drapeau. Je suis fier d'être Archelois. Je suis un scorpion. Petite confidence, je suis un haïtien natif natal. J'ai roulé ma bosse à travers le monde. Je voyage souvent, mais je reviens toujours vers mon point d'ancrage, vers l'alma mater, Haïti. J'y suis viscéralement attaché et j'ai promis de vrai pour un changement de paradigme. La voir sortir de son marasme. Les yeux rivés sur cet objectif, mes choix, mes prises de position, mes études, mes voyages, mon travail, bref, toute
ma vie a tourné autour de cette perspective. Mes années d'adolescence, je les passe à Carrefour-Feuille, plus précisément du côté de Caridad. Et j'ai fait le choix d'être médecin, ce qui me permettra de mieux aider les autres, d'être à leur écoute, d'être plus près d'eux. Donc, faculté de médecine et de pharmacie, je fais partie d'une cohorte extraordinaire, la P82, dont les membres, je les vois là. Ils sont bien tristes et pleurent le duc de Mainville. Je n'ai pas connu le docteur Mainville. Il n'est pas de ma promotion. Il est loin de mon âge. Je suis un vieux. Mais j'ai entendu parler de lui. Et je suis convaincu que c'était un homme bien. Alors, docteur Mainville, je te souhaite bonne route. Que ton âme repose en paix dans le monde de l'au-delà. Nous, derrière, préparez-vous là pour nous. Nous avons activité, nous toujours fait chaque année, nous réunir jeunes qui sont dans un quartier difficile et pour nous permettre que ils viennent prendre formation construite toujours pour être capable de faire au moins être capable de vraiment faire face avec conjoncture Jean Payaya. Donc nous faisons un ensemble de quartiers qui viennent, nous gagnons Cité Soleil, nous gagnons Tabar, nous gagnons Pétionville, nous gagnons et le grand Matissan, nous avons team et Tibois Grand Avenue aussi, nous gagnons, je dirais, 9 quartiers de la zone métropolitaine qui viennent. Donc, espace sans un espace que nous faisons, où les jeunes viennent former tête, nous parler avec des intervenants qui viennent, qui font des interventions. Donc, au final, gagner un jeu de questions-réponses qui va le faire entre les quartiers. Bon, quartier qui réussit à répondre plus de questions, c'est lui-même qui a gagné un prime de 100 000 gouttes, deuxième n'a 50 000 gouttes, troisième n'a 25 000 gouttes. Mais son activité nous toujours fait chaque année, qui permet que pour nous réduire la violence dans la communauté, pour dire non à toute forme de violence, son activité tout qui pour cimenter. Nous avons dit rapport police-population qui fait dans la société. C'est ça. Et même thématique n'a pas changé, c'est jeune de servir le pays. Mais c'est toujours, nous avons gagné des intervenants dans différents domaines. Donc nous avons gagné, par exemple, nous faisons des études sur gagner 10 000 sous l'économie. Nous avons gagné sur le, comment je dirais, sismologie, nous avons gagné sous la police, nous avons gagné sous leadership et citoyenneté, nous avons gagné sous droit et devoir, nous avons gagné sous secourisme, la technique de premier soin. Donc ce sont panoplie de thématiques qui peuvent permettre que la jeunesse apprenne, ils viennent comprendre ces de bagailles dans la police communautaire. Jeudi, nous c'est lancement, jeudi 26, on a fait samedi 27 et dimanche 28. Il y aura une pause et puis on a fait la grande finale, qui a une dernière intervention et puis une partie culturelle, tout parce qu'on est jeune, il y a un pile bas là qui est sur le plan culturel. Donc il y a une partie culturelle là et puis il y a comme toujours question-réponse, partie répond pas plus question, il y a bien. Donc on a fini le 3 décembre, c'est 26, 27, 28 et puis 3 décembre, c'est la clôture, la grande fête. Comme nous connaissons que c'est une grosse bagaille que HF toujours fait chaque année, c'est commémorer la journée mondiale SIDA qui est le 1er décembre. Donc, comme nous sommes mercredi, la Bruna, nous décidons nous-mêmes pour nous faire le week-end avant le 1er décembre. Donc, comme nous connaissons HF avec l'entourage, nous travaillons en équipe. So, nous venons là pour nous faire l'activité que nous avons fait. Nous avons l'activité que nous avons fait samedi qui est 27. C'est au cocktail que nous avons fait l'hôtel Roi Christophe. Et lundi dimanche, nous avons l'activité de la gymnasium. Nous avons l'activité, nous avons testing, nous avons fait parler de prévention, nous avons un match en basketball.
avec différents écoles, côté l'école, ça, on est déjà allé à faire sensibilisation avec Timounio. Nous avons un peu différentes activités, nous avons des trucs pour nos caps que nous décidons d'aller ça. Comme nous connaissons une tension dans la presse, et nous voulons toujours continuer à commémorer les journées, si nous décidons entre Port-au-Prince, avec nos caps pour nous faire activité. Deux jours d'activité. Premier jour, c'est un cocktail. Cocktail, nous faire pour nous réunir avec les qui dans le département. Les directeurs de l'école, pasteurs, professeurs, mairie, et tout acteur qui a influencé pour nous faire lutte contre le VIH. Parce que sans Monsao, donc arrivé fin avec le VIH en Haïti. Et comme nous avons une occasion, vu que le titre est brisé, côté que dans pile, il a parlé de la concernant le VIH, nous venons spécialement pour décentraliser non seulement l'activité à HFE dans le pays, mais pour être capable de prendre et sensibiliser tout le monde, tout acteur, tout influenceur, tout le monde qui sont en leader d'opinion, pour être capable de faire travail. Ça, c'est pour nous les cocktails, un cocktail de solidarité. Et je dis machin tout, nous allons faire une journée de solidarité. C'est parce que c'est ensemble, nous allons mettre ensemble pour nous bloquer le VIH, non seulement dans le cap, en Haïti et dans le monde entier. En fait, j'ai que le thème de dit là, nous réduisons les manières parce que c'est SIDA, pandémie, ça toujours là. C'est pour nous rappeler que même pendant le corona, on a fait des dégâts dans le monde. SIDA continue à faire des dégâts parce que pendant le corona, il y a un monde qui a fait sexe sans protection. Donc, c'est le cas, il y a toujours le VIH. Donc c'est pour nous rappeler que même pour la corona, pendant que protéger contre corona, pour un vaccin, mais il faut toujours protéger, soit mettre préservatif, soit on fait test pour la constatation, et le constatation, pour capable de prendre des décisions. Sur positif, pour un médicament, on va mourir. Sur négatif, pour continuer à être négatif. Donc c'est dans le cadre de ça que nous continuons de travailler ça. Et nous allons dans tout le débat dans le pays déjà, mais chaque année, nous choisissons un côté différent pour nous commémorer. Je n'ai pas qui rappeler nous, déjà plus que environ 40 ans que si l'on rentre dans le monde, ils font pile les gars. Il y a déjà plus que 33 millions de monde qui sont victimes de maladies, qui mourent, qui sont affectés, qui sont infectés. Donc nous devons ensemble rappeler ça et tout, rappeler non seulement qu'il a commencé, mais je dis, le travail qui a fait la besoin de continuer et de tout le monde là-dedans. J'ai déjà commencé à toucher mon nom, soit dans la formation que je fais pour, soit dans le message que nous voyons sur les médias, sur les réseaux sociaux, n'importe quel que nous gagnons. Mais je veux que nous avons nous fait travailler ça pour que tout le monde entre là-dedans avec nous. Parce que nous avons, en tant que spécialistes en santé, côté ça nous côté maillot, mais c'est qui vous agir et transférer à plus de monde possible. Concern for Rights, c'est une organisation internationale humanitaire qui est basée en Haïti depuis 1994, qui travaille dans le domaine de gestion risque et désastre, assainissement, santé, et dans nutrition et protection. Normalement, je dis à nous là, dans le cadre d'une session de formation qui est animée par l'Institut haïtien de l'Andessi. Et c'est pour nous une grande première. Parce que nous sommes arrivés ouais, à travers un ensemble de projets que nous avons implémentés dans le domaine de gestion risque et désastre, limite nous pour nous arriver à communiquer à différentes catégories de monde qui sont dans la communauté, que le message a supposé arriver sur eux. Et je dis à pour nous, c'est une initiation, c'est un commencement. Et nous avons, j'en ai dans la salle, différents. Entités qui soutiennent soit la Croix-Rouge, Protection Civile et d'autres partenaires de projet Aquila Jodia qui a participé dans la session de formation ça, sur la langue des signes qui est très importante Jodia parce que si nous voulons entrer dans une démarche inclusive, quand on a pensé à toutes catégories confondues, donc au monde qui a un problème de surdité, il faut que nous pensions comment nous arrivons à faire atteindre le par message de sensibilisation. C'est dans l'optique ça que nous l'avons aujourd'hui. Donc, et aussi, il y a très une démarche pour nous de plaidoyer, pour nous arriver à sensibiliser les institutions, pour prendre en compte les gens qui ont public à polyhandicap, comment nous-mêmes nous sommes capables d'arriver à toucher différentes catégories de monde par rapport avec handicap que nous avons. Effectivement, une session de formation de 5 jours, c'est pas vraiment, ça pas suffit, mais j'en dédie à c'est on démarche, c'est un commencement, c'est une introduction, c'est une initiation, nous commençons dans la phase, dans la première étape, et nous pensons, gens, nous voyons que ça marchait, appétit nous commençons à venir, appétit nous augmenter, et Kounia nous entre peut-être, nous entre Kounia, nous avons dit dans la phase pour nous promouvoir, pour nous faire le marché, pour l'autre institution, comme si intégrer ça. Et nous certains effectivement que 5 jours pas suffit pour bailler au monde tout ça a besoin comme acquis pour lui faire communiquer effectivement à un monde qui est en situation de handicap par rapport à une déficience auditive. Mais
pour nous-mêmes, l'initiation, ça suffit pour réveiller nous par rapport à sommeil que nous avons à groupe Mounsao que nous pas prendre en compte les affaires messages au passé. Et effectivement, avec l'Institut haïtien langue des signes, nous pensons que ça va prêter là. Non seulement nous voulons faire plaidoyer au niveau institution pour ça aller plus loin, mais nous-mêmes tout, c'est une grande première, nous avons continué. Donc il y a des staff qui vont continuer à venir dans l'institut pour continuer à prendre formation avancée. Et pourquoi pas des formations spécifiques. Par exemple, nous apprenons la protection civile qui va intervenir dans la question de gestion risque avec des as. Donc, on est capable de gagner des gens qui avancent dans la thématique là et pour nous qui pour interpréter dans le champ ou même dans la thématique okay, par rapport à la gestion risque et des as. Nous avons pris exemple du centre de formation la Croix-Rouge qui est ensemble avec nous. Ou de monde qui a fait formation en premier soin, ils sont capables de priver nos niveaux côté qui ont une formation avancée pour être capable d'animer une formation en langue des signes. Donc c'est ça la démarche. En fait, différentes institutions qu'il a, c'est d'abord nos partenaires, à savoir Mercy Corps, Groupi, qui participent à l'implémentation du projet. Aussi c'est la Croix-Rouge haïtienne. Et des représentants de la protection civile au niveau départemental, la coordination départementale de l'Ouest protection civile et aussi monde qui fait partie du comité communal protection civile dans la commune. Donc qui participent dans la structure ça et des staff internes de chaque organisation. Ça. C'est cofondateur Institut haïtien de langue des signes. Donc c'est un plaisir pour nous et organiser formation ça ensemble avec Concern Worldwide. Donc, formation, ça allait directement dans la ligne philosophique de mission IHLS qui s'est fait promotion pour langue signe, fait promotion pour culture sourde, que ce soit en Haïti, mais à travers, même à l'étranger. Donc, formation, ça a tout, lui permet justement que nous touchons l'autre public, parce que d'habitude, nous toujours nous touchons plus étudiants, et professionnels, etc. Mais ça, c'est un autre public qui a travaillé directement sous terrain, mais tout qui a réfléchi sur deux projets. Donc, c'est-à-dire qu'en amont, nous avons des project managers, nous avons des travailleurs sociaux, des psychologues, mais en aval tout, nous avons des agents de terrain qui a implémenté le projet et sous terrain. Ensuite, formation ça ou bien activité ça tout li renforcer travail que n'a fait pour nous faire respecter droit mon handicapé parce que imaginons que nous gon concours là nous font concours de slogan sous droit mon handicapé que final la fait 3 décembre donc c'est yon, tout un latrier activité que nous fait que ce soit formation sensibilisation plaidoyer concours sur réseaux sociaux et intervention dans médias pour nous et faire respecter droit mon handicapé et spécifiquement mon studio à travers pays. On a réfléchi sur les problématiques et violences et qu'a fait sous femme actifie en dans société a et conférence a li inscrit et dans cadre des activités n'a fait pour marquer le 25 novembre qui c'est journée internationale pour élimination violence qu'a fait sous femme actifie. Donc, il est rentré dans le cadre des plaidoyers de l'OADA chaque manière pour respect des droits de femmes actifiées dans le pays. Et la conférence a fait surtout dans le contexte de crise politique, une crise qui gagnait plusieurs dimensions, et dans le contexte où le côté pays a fait face à l'insécurité et à la criminalité grandissante. Qui lui-même a une grosse conséquence sur les droits de monde, mais particulièrement les droits de femmes dans le pays, côté n'a pas assisté à augmentation ou bien à violence qu'a faite sur les femmes dans le pays, particulièrement dans le quartier populaire, avec multiplication des groupes de gangs ou de bandits, côté cas de kidnapping a augmenté. Et cas de viol collectif augmenté dans le pays et climat insécurité ça li affecté de manière considérable femme avec tifi de 2018 à journée jodi a gagné environ 13 massacres qui fait dans le pays et dans massacre ça yo gen pile fille qui violée gen pile viol collectif qui fait
plus passé 50 viols collectivement enregistrés dans la période ça. Et pas gagné, je capable de dire, aucun monde qui est arrivé soit condamné ou bien interpellé pour crime sexuel. Donc, pendant le viol collectif a augmenté, pendant la violence qui a fait sous femme a augmenté par rapport au climat, insécurité à notre crise politique là, mais nous constatons tout et autorité policière et autorité judiciaire nous montrer en incapacité pour être capable de permettre non seulement de couper question insécurité à, mais pour contribuer à respect droit femme en d'un pays. Donc, contexte crise globale ça, lui affecté considérablement droit mounio et particulièrement la famille avec cas de viol et kidnapping qui a enregistré dans le pays. Et nous sommes capables de faire une considération particulièrement par rapport avec Grandance. Pendant l'année 2021, il y a un pile cas de viol collectif qui a enregistré au niveau de Grandance, que ce soit dans Jérémy, que ce soit dans Zeno. Donc c'est des cas, on est capable de dire répétitifs, et côté des jeunes filles qui sont victimes de viol. Et en même temps, tout kidnapping qui a augmenté dans le pays a gagné de gros conséquences sur les familles, sur les familles en particulier. Et nous sommes capables de faire considération tout par rapport avec le tremblement de terre qui passait 14 août dans le grand sud pays. Et qui vient, je dis, on a fait face à une situation dans quand côté familles sont exposé à des viols. Et collectif et côté nous à vivre une situation très difficile. Maintenant, qui ça m'a dit de plus de raison assurément la main des monde pour qui ça, nos réseaux de journalistes pour la promotion des droits humains. Ben pour revenir, tout va commencer ici, hein, en l'année 2019, suite à la convention de OPC avec Avocats sans frontières qui organisait que il y a une trentaine de journalistes qui étaient contents. Et en activité SIDA, journalistes qui sont aussi dans différents régions du pays, qui ont participé dans la formation. Ça, et suite avec ça, nous avons pris l'initiative pour mettre dans le réseau. Le réseau, c'est sûr que le pays a chargé des organisations, grand monde, qui défendent, dénoncent et font bien. Le réseau, un réseau qui est là pour dire, qui parle continuer ou bien rentrer dans la même logique, dans le même plutôt. Nous réseau de journalistes, puisque nous sommes des journalistes qui ont fait des activités, des campagnes d'éducation, de formation pour aider les gens à changer de comportement. Et dans le cas des violences qui ont fait sous forme active, par exemple, puisque la journée internationale et contre les nations, violences qui ont fait sous forme, comme on souligne ça. Justement, nous avons organisé plusieurs activités dans ce sens-là déjà. Nous avons organisé des activités qui ont avec droit femmes, droit timoun et violences basées sur le genre. Pour ça, nous avons décidé d'accentuer sur des campagnes de formation et d'éducation, puisque nous pensons que le changement de comportement, c'est des bails qui vont être faits à la base. Peut-être que je tiens à gagner un comportement qui quelqu'un de la population a gagné, si on était éduqué, alors il était sensibilisé sur quelques questions, on pensait que le comportement soit gagné, du coup nous tapons en face une réduction de violence qu'on fait sous toute forme dans la société. Voilà, les gens ont gagné plusieurs partenaires, essayer d'attirer l'attention sur des cas de violation droit monde. Produire des reportages, interpeller des citoyens pour prendre une bonne disposition pour agir sur question ça. Il y a plusieurs activités que nous avons déjà réalisées, qui dans la capitale, dans la ville pour spécialement Monaïve, nous avons déjà réalisé. À côté des activités que nous faisons pour nous renforcer la capacité de membres de réseau, nous gagnons un plan. Que nous dressons, nous élaborons. Sous 5 années, nous avons commencé dans l'année 2022 pour finir en 2027. Donc, c'est un plan stratégique qui chita sur 3 gros poteaux. Premièrement, c'est faire promotion pour
normalement, gagner, ça n'est pas capable de faire promotion pour droit à liberté, tout le monde capable de rien. Ce n'est pas une bataille qui est facile. C'est raison ça, à côté Avocats sans frontières Canada, à côté Office protection citoyenne qui était là avec nous, dès le départ, nous gagnons, je dis avec nous, il y a une série d'invités. Donc, pour représentant Sauvège, RNDDH, avec plusieurs autres organisations qui étaient déjà travaillé dans les affaires, qui étaient déjà travaillé dans les affaires droit monde, donc nous gagnons avec nous, parce que nous gagnons aussi parce que nous voulons tout support Mounsaï. Nous voulons tout support la presse qui l'a ensemble avec nous. C'est avec nous-mêmes qui pourrait permettre à ce que le travail nous vise à faire, les fait, gens que nous-mêmes nous avons fait là. ASFC, normalement, c'est une organisation non gouvernementale qui va être technique comme mission pour être capable de contribuer à la mise en œuvre des droits humains, monde qui est en situation de vulnérabilité. Généralement, on parle de monde qui est en situation de vulnérabilité, non pas monde qui est vulnérable parce que on a toujours sorti dans la situation de meilleur. Donc nous travaillons justement avec nous qui est en situation de vulnérabilité. Et comme c'est des avocates, c'est par renforcement à accès à la justice et puis représentation juridique. C'est justement pour ça qu'on fait depuis 2007. Nous avons un projet qui est en ligne sous 5 ans, qui accélère sur accès à la justice et lutte contre l'impunité en Haïti. Et c'est justement dans quatre projets ça que ASF a appuyé le réseau journaliste. L'occasion de la journée mondiale, nous connaissons hier, qui était la journée internationale contre la violence sous forme Actifi, qui s'est servi d'activistes, nous avons compté faire l'Assemblée Sadiodia. Nous sommes capables de commémorer la journée ça. AIPM, qui est une association qui regroupe des infirmières pour prévention contre maladie. AIPM, dans quatre activités qui sont basées ensemble pour combattre toute violence sous forme active. Et puis, dans l'idée pour continuer la bataille qui visait l'élimination de toute forme de violence sous forme active, nous profitons de journée ça pour nous dire en fini, à toute violence sous forme active. C'est vrai, nous connaissons que ce n'est pas un problème qu'à résoudre, mais un budget. Parce qu'elle a une condition qui favorise. Elle construit petit, juste l'arrivée bien chita en dans la société. Nous connaissons que la bataille n'est pas facile, mais il est possible pour nous porter la victoire. Nous demandons pour l'État, si toute la justice, société civile, là, pour prendre responsabilité, yo, tout bon, tant qu'Absi et l'Union européenne a fait. L'activité salive, il est possible de dire là, c'est par rapport à la violence qu'a fait sous mesdames. Nous-mêmes, nous sommes une organisation, un bon projet qui dit en combat sur toute violence comme activité. Ce projet, ça, la prêté qui va durer de 16 mois. C'est une occasion, ça, qui était hier, était journée internationale contre la violence comme activité. Qui s'est cherché d'activistes, nous-mêmes, nous profitons aujourd'hui à là, nous faisons activité par nous. Nous disons non, pour jouer dans ce sous-forme actif, il y a un cas. Parce que nous, les femmes, nous sommes qui subissent plus de violence. Pas que les femmes ont une autonomie dans les mains. Pour retirer les femmes dans la société, dans la question de pouvoir, les femmes sont minimes, dans la question d'égalité, et vous menez à vous, pour être capable d'être égal avec les garçons. C'est dans le contexte ça, nous faisons l'activité ça jeudi. Même nous connaissons la bataille pas facile, nous connaissons la privée. Résultat quand même parce que. Et depuis en 1999, nous que la bataille s'est commencée. Mais nous, en guise pour la bataille, ça a fini de jour en jour, la violence a multiplié plus, nous avons vu plus, elle nous a vu plus méchant. Et dans l'occasion de ça, nous faisons activité ça jeudi. Dans la sensibilisation, nous avons formé Mounio, formé Messie à tout, pour comment, et dans comme ça, nous sommes capables de combattre la violence. Nous avons sensibilisé Mounio, formé. Escouade démocratique qui a une mission surveiller et défendre l'intérêt peuple là. Salier PM Ariel Henry pour émaniement ministériel ça. Escouade démocratique ak ensemble organisation ak parti politique signataire accord en septembre là qui dans conférence là là, on prend bonne signataire avec nous là. Féliciter neuf commissaires
qui dans la commission nationale suivi signataire à conséquent là, qui travaille la nuit pour la journée pour déboucher Vanna Kosa. Côté prisonnier politique, vous pral libéré avant 10 décembre ça là. Nous mettons quoi commission? Commission 9 membres ça a travail. Et la commission nous dit, faut yo libéré prisonnier politique. Yo. Dans ce sens, escouade démocratique a demandé à PM Ariel Henry pour dormir qui a posé. Rete tête prête, peuple à vert, pas de opposition encore. Tout le monde là dans directement ou indirectement. Là nous dit tout le monde là dans directement ou indirectement. Ça veut dire, il y a des gens qui ont participé à quoi en septembre là, mais qui ont des amis aussi. Ils n'ont pas d'intérêt pour aller en face PM Ariel Henry. Et bien PM Ariel Henry, organiser bon champ d'élection honnête, crédible, démocratique, transparence dans le pays, il y a une façon pour obliger renforcer l'institution. Et bien PM Ariel Henry, n'a pas merci. Escouade démocratique, n'a pas merci. Peuple a dit merci. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier de vous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer cette cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.